Alors, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes satisfait de cette nouvelle mise à jour? Est-ce que vous êtes plutôt déçu, au contraire, de cette nouvelle update? Grande discussion. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la paix. J'espère que vous êtes en bonne santé. On va en discuter un petit peu de cette mise à jour, qui partage pas mal de monde, hein. J'ai pu le voir sur le Discord ou recevoir pas mal de messages privés. Et puis, est-ce que ça va être la fin de Forza Horizon 4 ou est-ce que ça va nous ouvrir de nouveaux horizons? La grande question. Avant ça, je voudrais vous informer d'une grosse annonce qui va être faite le jeudi 12 mars en live sur la chaîne Mixer, où je vais vous annoncer quelque chose qui, à mon avis, va vraiment beaucoup, beaucoup vous plaire. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de participants. Je n'en dis pas plus. Rendez-vous jeudi 12 mars, 20h30, sur la chaîne Mixer. Vous avez toutes les infos dans la description. Venez très très nombreux. On repart donc pour cette vidéo à propos de cette nouvelle mise à jour. Cette mise à jour qui a divisé pas mal de monde. Et effectivement, d'année en année, Forza Horizon 4, on s'attend toujours à des choses intéressantes. Parce qu'on a envie de découvrir de nouvelles choses. Parce qu'on aime ce jeu et qu'on a vraiment envie de découvrir déjà de nouvelles voitures. Et également peut-être de nouveaux modes de jeu. On a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, l'Eliminator qui a été rajouté dans le jeu. Un truc vraiment intéressant, un truc qui justement a permis à pas mal de monde de débloquer beaucoup de véhicules, beaucoup de récompenses dans justement les niveaux qui étaient à débloquer. Le serait-ce que d'avoir un Eliminator, un Battle Royale dans Forza Horizon 4, il y en a qui ne font que jouer à ça. Et ça, c'est génial de pouvoir faire du top 1. Franchement, le mode de jeu est plutôt intéressant. Le fait que justement aussi, ils puissent nous rajouter des voitures et là, même maintenant, nous demander quelles voitures on voudrait enlever du jeu, eh bien, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir une communication comme ça entre les éditeurs et entre les joueurs pour pouvoir faire progresser encore ce jeu. Par contre, c'est vrai que ce qui nous a été annoncé, ah, c'est un petit peu mitigé. On n'a que trois nouvelles voitures qui vont arriver dans cette prochaine mise à jour. Trois nouvelles voitures. C'est tout ce qu'on va avoir. Enfin, c'est tout. Attention, calmons-nous. Il y a des jeux pour lesquels il faut payer pour avoir des nouvelles voitures. Et il n'y a même pas de nouveau contenu. Là, on a une annonce pour trois nouvelles voitures. Et on a une annonce également pour une nouvelle story. Alors, cette nouvelle story, voilà, il y a 9 chapitres. Il y a 27 étoiles à débloquer. Ça va être, à mon avis, aussi vite fait que les autres stories qu'on a pu avoir. Donc, je pense que vous allez y passer, allez, un week-end pour ceux qui ne sont pas à fond sur le jeu. Je pense que ça va être vite terminé. À la fin de la semaine, ça va être torché. C'est clair. Par contre, ce qui est sympa, c'est que tous ceux qui n'ont pas encore réussi à terminer la carte étoile, eh bien, cette histoire va continuer à justement agrémenter cette carte étoile et va vous permettre de débloquer l'intégralité de cette carte étoile. Et ça, c'est un truc qui est plutôt positif parce qu'on cherche toujours à avoir la récompense finale de la carte étoile. On cherche à avoir, en l'occurrence, la Ferrari 812 Superfast et la Capri FE, ce qui est vraiment pas évident parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. Mais là aussi, n'hésitez pas, je le répète assez souvent, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour pouvoir vous entraider justement à partager vos créations, vos réglages, vos courses, vos livrets, vos photos et ainsi de suite et à les liker les uns et les autres. Ça vous permettra d'avancer dans la carte étoile et de débloquer justement la récompense ultime, la Capri FE. Pour ma part, il est clair que cette update ne m'a pas non plus convaincu. Je m'attendais à des choses un petit peu plus costauds, des choses plus consistantes et surtout, vous le savez, des modes de jeu, une map, des courses, des circuits, des choses nouvelles et des choses intéressantes. C'est très bien d'avoir des nouvelles voitures, super. Après, c'est une question de goût. Il y en a qui vont préférer les voitures japonaises, d'autres les voitures anglaises. On veut des Toyota, on voudrait des Rolls-Royce, on voudrait des choses récentes, on voudrait des choses anciennes. Tout le monde a de toute façon ses goûts, ses choix. Et ben oui, l'éditeur essaye de faire un petit peu comme il peut, ou surtout comme il veut. Peut-être qu'il a des contrats aussi avec certaines marques, et donc il les met en avant plus que d'autres. Ça, c'est déjà un truc important. La story, c'est pas mal. Mais
pareil, c'est pas assez consistant. Cette story, elle va être vite torchée et on va vite passer encore une fois à autre chose. Surtout que, si vous avez jeté un coup d'œil aux récompenses de la story, franchement, il y a vraiment, vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Et pourtant, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, Mangalore? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi commences-tu à critiquer? Non, je critique pas le jeu. Je suis juste en train d'essayer de vous rendre attentif à pas mal de choses. Et vous allez voir, le point suivant va être vraiment intéressant. Cette story, elle est sympa, elle rajoute du contenu, mais manque de peau, les récompenses qui sont à gagner ne sont pas à la hauteur de certaines autres stories qu'on a pu avoir. Je ne mentionnerai que Top Gear, qui est le top du top dans les stories qu'on a eues. Voilà, c'est un petit peu tout ce qui était intéressant en termes de story. Par contre, si vous avez allumé votre console et que vous avez vu le message suivant, et même pour moi, ça, c'est un truc intéressant. Ça, c'est un truc qui me fait penser à pas mal de choses. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez à la fois des stories, à la fois des nouvelles voitures et à la fois de ce que je vais vous énoncer là et de ce dont on va parler maintenant. Quand vous avez un jeu qui, au bout de un an et demi d'existence, commence à vous annoncer qu'il va y avoir des nouveaux réseaux sociaux, qu'il va vous y avoir du Facebook, de l'Instagram, du Twitter, on se pose des questions, on se demande, mais où ils veulent en venir? Pourquoi ils n'ont pas fait ça au début du jeu? Ça aurait été quand même plus logique, on aurait pu communiquer directement, on aurait pu donner notre avis, ils auraient pu nous demander justement les voitures qu'on voulait limiter dans l'éliminator. Il y avait comme ça un mode d'échange beaucoup plus facile, et s'ils l'avaient fait dès le début du jeu, ça aurait été plus logique. Pour moi, et ça fait plusieurs fois déjà que je vous le dis en live ou autre, on arrive à une phase de maturité du jeu. Et pour moi, le fait de communiquer sur des nouveaux réseaux sociaux, c'est peut-être aussi pour relancer la machine. Alors, je suis peut-être en train de me faire des films, hein, très clairement. Certains me disent et m'ont dit, ouais, mais toi, t'es un mec super optimiste, tu vois que les choses positives. De toute façon, ils vont nous faire mariner de saison en saison. On va tous essayer d'imaginer des trucs qu'ils vont nous donner. Et puis, au final, on va être déçus et on va encore avoir de nouvelles voitures. Et peut-être. Moi, j'espère, peut-être que je vais me tromper, mais j'espère avoir raison sur le fait que on a eu toutes les voitures du jeu, et ça on en a déjà parlé. La Ford Focus PO, elle a été distribuée, c'était la voiture rare par excellence du jeu. Je sais, il y a encore la McLaren PO que tout le monde n'a pas reçue, mais la Ford Focus, on ne l'avait pas, et personne ne l'avait, et on l'a maintenant. Donc on a vraiment fait le tour de toutes les voitures. Avec la nouvelle story qu'ils nous ont annoncée, notre carte étoile, elle sera remplie au taquet. On aura fait toutes les stories qui devaient traîner par-ci, par-là. Tout a été livré. Pourquoi nous amène-t-on avec ces nouveaux réseaux sociaux dans une nouvelle phase? Et bien moi, je suis persuadé que c'est comme n'importe quelle société qui veut lancer ou relancer quelque chose. Et bien, vous allez communiquer d'une nouvelle manière. Vous allez lancer quelque chose de nouveau. Vous allez lancer un nouveau support de presse, de communication sur les réseaux sociaux, un nouveau site internet, peu importe. Si vous lancez un nouveau produit, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez communiquer sur ce produit par des biais différents de ce que vous faisiez jusqu'à présent. Et moi, je suis intimement convaincu qu'il va y avoir du lourd très très prochainement. On a cette nouvelle année qui va arriver et qui va clore, en quelque sorte, le premier chapitre de Forza Horizon 4. Encore une fois, peut-être que je me trompe, peut-être que je me fais des films, mais je suis intimement convaincu qu'il va y avoir du lourd qui va arriver, de toute façon parce qu'on n'a pas le choix. On va avoir un Forza Motorsport 8 qui va arriver pour la fin de l'année 2020. Le Forza Horizon 5, logiquement, si tout se passe bien, il devrait arriver en 2021. Ça nous laisse encore une année et demie, voire plus, avant que la suite n'arrive. Il nous l'avait énoncé, le fait que Forza Horizon 4 allait durer très très longtemps. Eh bien moi, je suis intimement convaincu que nous allons avoir des grosses nouveautés qui vont être annoncées peut-être l'année suivante. Peut-être dans 4 semaines, on va avoir de grosses nouveautés dont on va entendre parler. Et on nous dira qu'il faudra peut-être encore attendre une nouvelle saison ou peut-être encore un petit peu plus longtemps pour voir des choses arriver. Mais je suis sûr qu'il va y avoir du très très lourd. L'autre chose également, c'est que si vous communiquez sur des réseaux sociaux, et on l'a vu dernièrement, c'est que vous voulez aussi avoir une certaine interaction avec votre communauté. Et on le sait, et on l'a déjà entendu, et on l'a déjà remarqué.
même s'ils ne font pas systématiquement ce qu'on demande, ce qui serait de toute façon complètement déraisonnable et très très compliqué, ils écoutent la communauté. La preuve, à la fin de chaque live, ils communiquent, ils échangent avec les gens qui ont posé des questions. Ils ne répondent pas à toutes les questions, je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, ils prennent attention à ce qu'on leur dit. Et ça, c'est un truc qui est important. Je sais qu'on attend plein de choses. Une extension du garage, des réglages, des créations, pour que tous ceux qui passent beaucoup de temps là-dessus puissent encore avoir leur imagination fertile qui puisse être à l'origine de superbes créations. Peut-être que ce sera pour la prochaine fois. Pour ma part, vous le savez, j'attends du lourd, j'attends du gameplay, j'attends une nouvelle map, j'attends de nouvelles courses, j'attends des nouveaux modes de jeu qui nous permettront d'exploiter encore les voitures qu'on a. On en a déjà tellement dans le garage. Pourquoi voudriez-vous qu'ils rajoutent à chaque fois 4 nouvelles voitures par saison si de toute façon on ne les utilise pas plus d'un quart d'heure? Compliqué. J'attends vos réactions dans les commentaires. Je sais qu'elles vont être sans doute nombreuses et que vous allez me traiter d'optimiste ou de ce que vous voulez. Peu importe, peu importe. Moi, je pense que ce jeu a encore un très très bel avenir devant lui et je suis sûr qu'il y a encore plein de choses intéressantes qu'on va pouvoir faire. En attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien sur cette nouvelle story, débloquez toutes les nouvelles voitures qui vont arriver et on se retrouve très très vite. N'oubliez pas la grosse annonce jeudi 12 mars 20h30 sur Mixer et uniquement sur Mixer. Portez-vous bien, allez, à ciao.